Le froid à la une de cette édition, la direction interdépartementale des routes est prête à entrer dans l'hiver. Pour assurer le maintien de la circulation en toute sécurité, un dispositif spécifique est mis en place. Il consiste à déployer d'importants moyens humains et matériels en informant par exemple en temps réel les usagers de l'état des routes, en mettant en place des itinéraires obligatoires. La neige et le verglas rendent les routes difficilement praticables et particulièrement dangereuses. L'année dernière, les usagers étaient mécontents après de fortes chutes de neige. Cette année, pour éviter les mêmes erreurs, la DIR a mis en place l'installation de filets anti-congères. Les explications nous sont données au micro de Macha Grunessen. La formation de congères, qui était quand même assez exceptionnelle l'hiver dernier et l'hiver d'avant. Donc là, on a sur ce type de phénomène, on va essayer de tester des filets anti-congères, sachant qu'il y a un autre dispositif qui est plus long à mettre en œuvre, qui sont des haies anti-congères. Mais le temps de pousse étant relativement long, en attendant qu'elles soient à hauteur satisfaisante, on va tester des filets anti-congères, qui seront un dispositif relativement facile à mettre en œuvre.